Bonjour à tous. Bienvenue en ces lieux où il sera question d'histoire. On disait que les bardes étaient les gardiens de la mémoire chez les anciens Celtes, bien qu'il en soit ainsi. Mais pour être sûr que vous me prêtiez bien vos oreilles, je ne suis pas sûr de vous rendre en tout cas dans le bon ordre. Il faudra vous débrouiller pour les couleurs et les tailles. Il est une technique que tous les conteurs du monde utilisent. Vous êtes tous francophones ? Oui. Car je ne saurais traduire en simultané, donc en langue allemande, les contes que je vais vous raconter. C'est aussi bien. Alors, cette technique est la suivante. Lorsque le conteur lance un cric, l'auditoire répond à un crac. C'est tout facile. Et si le crack est dit, scandé avec suffisamment de conviction et de force, alors l'histoire sort de la bouche du conteur. Nous allons essayer. Cric ! Crac ! C'est pas mal. Mais mon histoire est encore bien placée entre mon petit déjeuner et mon déjeuner. Il faut qu'elle passe entre les deux pour sortir. Yé cric ! Crac ! Non, c'est yé crac. Yé mysticric ! Yé mysticric ! Fort bien. Mon histoire est sortie, elle va parvenir à vos oreilles. Je vais vous raconter l'histoire d'un très vieux barde, un de ces gardiens de la mémoire du peuple celte, qui était aveugle comme souvent chez les anciens bardes. Ce vieux bonhomme-là, il avait coutume de compter souvent pour cette grande cité de Divodurum, la capitale des Mediomatriki, le peuple d'ici. Mais cette ville s'était agrandie. Elle faisait déjà grand commerce avec les Grecs, les Étrusques, aussi les Égyptiens. Et le vieil homme, lui, se barre des rangs, vivant de la sainte mendicité et des offrandes qu'on lui faisait, avait coutume de raconter sur cette grande place de marché, de plus en plus emplie de ces marchands qui prenaient de plus en plus de place. Si bien qu'il a fini par lui-même manquer de place pour raconter ses histoires. Alors, un jour, un marchand est venu le voir et lui a dit « Écoute, barbe, ne vois-tu pas que là, tous ces gens sont venus pour acheter mes marchandises venues de fort loin. Va donc raconter un peu plus loin, là-bas. » Et le vieux barde, conciliant, est parti un peu plus loin, dans une petite rue, pas très fréquentée. En vérité, il n'y avait que très peu de monde qui passait dans cette rue-là. Mais il a raconté quand même. Cette histoire, je vais vous la raconter. Autrefois, dans ces lieux régnait la princesse Rigantona. Si vous êtes allé un peu plus loin, vous avez pu voir sa tombe. Son vaste royaume s'étendait des rives de la Matra à ceux de la Matrona et au sud jusqu'au mont noir de Vosegos, les Vosges. Riche et puissant, la princesse était respectée de tous. Mais sa plus grande richesse ne résidait pas en ses joyaux, ni même en sa grande beauté, non point non plus en son palais, mais en ses trois chevaux blancs, des bêtes magnifiques, des bêtes magiques qui, dit-on, pouvaient chevaucher aussi vite que le vent. La princesse était au grand soin pour eux. Elle avait fait bâtir des écuries aussi fortifiées qu'un palais princier. Grand nombre de ses rivaux avaient tenté de s'emparer de ses chevaux magiques. Que ce soit par la force, la ruse ou encore l'art des négoces. Mais aucun n'y était parvenu. Si bien qu'au temps de mon récit, eh bien les trois chevaux demeuraient toujours sur les biens de cette princesse Rigantona. À une trentaine de lieues, cette citadelle princière,
vivaient trois jeunes frères, dans les montagnes de vos égaux, justement, plus au sud. Ils étaient orphelins et avaient été élevés par leur oncle, un vieil homme qui se nommait Artios. Le vieil homme, autrefois, avait été un puissant guerrier du temps où il servait le père de la princesse, le roi des Médiomatriques. Et à la mort de ce dernier, il s'était retiré dans les montagnes pour s'occuper de ses biens et de sa famille. À ses trois neveux, il avait enseigné l'art de l'arc, de l'épée, de la lance et du cheval. Aujourd'hui, il vivait de la chasse, un peu d'élevage et du commerce des fourrures. Un soir, alors que le vieil homme s'était endormi après une longue journée de labeur, les trois frères devisaient, sur leur paillasse comme ils avaient coutume de le faire, rêvant de l'aventure du vaste monde, eux qui n'avaient connu que leur montagne. Et l'aîné a pris la parole, Mellos. Il a dit, aujourd'hui j'ai rencontré des marchands grecs. Ils venaient de Thèbes. Ils m'ont parlé de leur culture, de leur pays. Ah, ce que j'aimerais, voyager et découvrir le vaste monde. Et le deuxième, Rémos, a dit, ah, avec les trois chevaux de la princesse, nous pourrions aller jusqu'au bout du monde. Et le plus jeune a répondu, oui, et peut-être devenir roi nous-mêmes. L'aîné, le regard brillant, a regardé ses deux frères et leur a dit, pourquoi ne volerions-nous pas les trois chevaux de la princesse? Les deux autres, regardez l'aîné, on n'y pense même pas. Ceux qui s'y sont essayés ont servi de repas aux corbeaux. Lâche que vous êtes! N'oubliez pas que c'est de la faute du père de la princesse si nos parents sont morts. S'il était venu plus tôt avec ses guerriers, il aurait sauvé notre village des pillards séquanes. En vérité, je vous le dis, nous sommes des coureurs des bois. Nous n'aurons pas grand mal à berner ces lourdeaux de la cité princière. Et c'est ainsi qu'a germé et a grandi cette idée folle du rapt des trois chevaux de la princesse Rigantona, dans les esprits aussi ambitieux et téméraires des trois jeunes gens. Un matin de printemps, ils ont attelé un cheval à leur charrette. Ils ont chargé cette charrette de fourrure, de peau. Ils ont salué leur oncle en leur disant qu'ils partaient pour le nord, pour le grand marché de printemps, là tout près de la citadelle royale. Et ils ont pris la route. Après plusieurs jours de périple, ils sont arrivés dans une vaste vallée, dans laquelle se trouvait un immense campement de toile qui jouxtait tout à côté un bourg de pierre et de bois. C'était la citadelle de la princesse. Ils sont descendus dans cette vallée et bientôt se sont retrouvés au milieu de tous ces marchands grecs, étrusques, égyptiens, venus de très loin, avec leurs marchandises odorantes et exotiques. Ils ont monté leur tente et leur étal et ont attendu patiemment que tombe la nuit. Alors que les derniers rayons du soleil avaient cédé la place à l'éclat de la lune,
et que la lueur des feux de camp répondait à celle des étoiles comme des ombres. Ils se sont approchés de la palissade de la citadelle à l'aide d'un crochet de fer et d'une corde. Ils ont ainsi escaladé cette palissade et se sont retrouvés bientôt de l'autre côté. Et là, dans l'obscurité, ils se sont dirigés vers cette grande maison de bois. C'était l'écurie. Les écuries de la princesse. Ils ont poussé la porte, après avoir neutralisé un premier garde que le vin avait rendu moins sûr. Poussant la porte, ils sont arrivés à l'intérieur et là, au fond de l'écurie, comme des joyaux brillant sous la lune, les trois chevaux blancs de la princesse. Alors les néades, ils sont là, ils se sont approchés. Et là, l'aîné a posé sa main sur la première monture, mais tout à coup, le cheval s'est cabré et ainsi de ses sabots a martelé les parois de l'écurie. « Ils vont nous faire repérer !» a dit le second. « Fuyons !» Et alors qu'il se précipitait vers la porte, a retenti dehors le corps de l'alerte. Et bientôt, trois hommes d'armes se sont présentés à eux en leur disant « Lâchez vos armes, maudits voleurs. Viens plutôt les chercher. » Et l'âme sont sorties de leur fourreau. Elles ont étincelé. Un premier garde s'est effondré sur le sol, le crâne fendu en deux, tandis qu'un second, glissant sur un morceau de cervelle du premier, s'est empalé sur l'épée du cadet. Profitant de la surprise, les trois frères sont sortis et ils ont couru ainsi jusqu'à la palissade. Ils étaient presque sortis d'affaire quand tout à coup, un sifflement a déchiré les airs. Il y a eu un cri et le plus jeune des trois frères s'est effondré sur le sol. Un javelot traversant, transperçant sa cuisse droite. Partez, a-t-il dit aux autres, partez, fuyez sans moi, sauvez vos vies. Non, nous ne te laisserons pas là. Il était trop tard. Déjà une vingtaine de guerriers, la garde de la princesse, leur faisait face. Leur chef, un géant à la barbe rousse, les a regardés, leur a dit « Jetez vos armes, maudits voleurs, ou je ferai un plat de vos entrailles. » Ils ne faisaient pas le poids. Leurs frères blessés, ils ont jeté leurs armes. Alors aussitôt, on les a entravés, enchaînés, et on les a amenés devant la princesse. Là, assis sur son trône, toute sa beauté, toute sa gloire, et toute sa grâce. Ainsi, maudit voleur, a-t-elle dit, vous avez voulu vous attaquer à mon bien le plus précieux. Vous savez ce qui va vous en coûter, vous connaissez nos lois. Oui, princesse, dit. Qui êtes-vous? Nous sommes les neveux d'Artios. Artios, est-ce lui qui vous a demandé de voler mes trois chevaux? Non, nous agissons de notre propre fait, ont répondu en même temps les trois frères. « Eh bien, c'est ce que nous verrons, a dit la princesse, qu'on aille chercher cet Artios, qu'on envoie 10 guerriers en armes jusqu'au mont de vos Égos. Ramenez-moi-le vivant. » Et ainsi, sur l'instant, on a envoyé 10 hommes d'armes aller chercher le vieil homme. À peine une semaine après, les gardes étaient de retour. Ils encerclaient un homme de haute taille, à la chevelure et à la barbe blanche comme la neige. C'était le vieil Artios. « C'est donc toi le vieil Artios, » a dit la princesse. « Ton visage ne m'est pas inconnu. Je te connais. »« Oh, » dit le vieil Artios, « princesse, j'ai servi autrefois pour ton père lorsque j'étais en Bacte, c'était il y a très longtemps. C'est donc cela. » Tu connais nos lois, tu sais que le chef de famille, le chef de clan, est responsable des actes des membres de ceux de sa tribu, membres de sa tribu. Aussi, tu auras la tête tranchée demain avec tes neveux et vos corps serviront de pâture au corps. Tu vois quelle ironie, a dit la reine, la princesse. Quelle ironie du sort. Toi qui as servi dans ce palais, tu n'as jamais été en si grand danger que ce soir.
Et là, le vieux l'a regardé, il lui a dit « Détrompe-toi, princesse. J'étais en bien plus grand danger que cela. » Princesse regardait dans les yeux, elle qui était, dit-on, aussi belle que curieuse, elle lui a dit « Raconte-moi. » « Je consens à te raconter, princesse, si tu promets d'épargner un de mes neveux. » Princesse aimait ce jeu, alors elle lui a répondu « Soit, raconte. » Et le vieil Artios a raconté. Un jour, alors que j'étais en mission pour ton père, justement, princesse, dans les monts Vosegos. La nuit était tombée. J'étais sur mon cheval. Quand tout à coup, sans cri égard, neuf loups énormes barrent la route, se ruant sur moi et sur ma monture, la mordant aux oreilles, au museau et aux pattes. J'ai saisi ma lance et aussitôt j'ai transpercé la gueule béante d'un de ces monstres. Mais mon cheval s'est effondré sur le sol, me coinçant la jambe droite. Mon épée était tombée, ma lance, mon bouclier hors de portée. J'étais à la merci de ces monstres. Tu vois, princesse, j'étais en bien plus grand péril que sur l'instant devant toi. C'est vrai, dit la princesse, qu'on libère le plus jeune de tes neveux. Et ainsi, on a libéré un neveu d'Arthurs. Mais après ça, que s'est-il passé, dit la princesse. Si tu étais en si grand danger que cela, eh bien, tu ne serais pas devant moi, cette heure-ci. Eh bien, détrompe-toi, princesse, dit Arthurs. Car après, m'attendait encore un plus grand danger. Et si tu consens à épargner un deuxième de mes neveux, je te raconterai ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit, elle était aussi belle que curieuse, alors elle a dit, soit je t'écoute, raconte. Et elle a raconté. Alors que j'étais sur le sol, et que les loups n'allaient pas tarder à me dévorer, voilà qu'il y a eu tout d'un coup un rugissement, et comme des lièvres, ils ont étalé la queue basse et les oreilles en arrière. Et bientôt, je dus faire face à une immense silhouette. C'était le seigneur de ces bois, un ours énorme, prêt à me dévorer. Heureusement, j'avais eu le temps de dégager ma jambe de dessous mon cheval. Alors j'ai couru. Tu vois, princesse, à ce moment-là, j'étais en bien plus grand danger. Bien plus grand danger. Mais après cette course, j'ai trébuché. Et la bête allait me dévorer. Et à ce moment-là, crois-moi, j'ai eu bien plus peur que lorsque j'étais encerclé par les loups. Tu dois donc me libérer un de mes neveux. Soit, on libère un deuxième de ses neveux. Mais après cela, que s'est-il passé? Eh bien, si tu consens à libérer mon troisième neveu, je te raconterai ce qui s'est passé et tu verras que j'étais encore en bien plus grand danger que précédemment. Vous le savez, elle était aussi belle que curieuse. Alors, elle a dit, soit je t'écoute, raconte ce qu'il a fait. Eh bien, j'ai dû éviter de peu un coup de patte et j'ai repris ma course, courant à m'en faire éclater les poumons. Et là, dans le lointain de la forêt, dans l'obscurité, j'ai vu la lueur d'un feu scintiller dans la nuit. Espoir. Alors j'ai continué à courir, et je suis arrivé dans une clairière dans laquelle se trouvait en son centre un âtre qui était ceint de trois grandes pierres. Lorsque je me suis retourné, eh bien l'ours avait disparu. Et là, je me croyais hors de danger. Seulement, voilà, mon histoire n'était pas finie. Et si tu veux entendre la fin, tu dois d'abord libérer mon troisième neveu. Et on a libéré le troisième neveu. Et là, la princesse a dit, oui, maintenant que tes neveux sont libres, toi,
Tu vas assumer leur faute. C'est donc toi seul qui auras la tête tranchée. Peut-être, princesse, si tel est mon destin. Mais avec ta permission, j'aimerais te raconter la fin de mon récit. Eh bien, soit. Raconte. Et il a raconté. Je me croyais sauvé en affaire, quand tout à coup, une des pierres a pris la parole et elle a dit « Salut à toi, étranger !» Et lorsque j'ai levé la tête, j'ai vu que ce que j'avais pris pour trois grandes pierres dans mes terroirs, c'était des géants à la peau couleur de pierre, à la chevelure et à la barbe hirsute qui me regardaient de leurs yeux ronds. Et celui qui m'avait salué m'a dit « On a faim, étranger !» Ça tombait bien, j'avais encore des provisions dans ma besace, alors je leur ai donné mes provisions. Ils ont goûté ça, en deux coups de mâchoire. Quand tout à coup, un des géants qui n'avait pas parlé a dit « On a encore faim, étranger !» Comme je n'avais plus rien à leur donner, j'ai couru avec les trois géants à mes trousses. J'ai couru à en perdre haleine, j'ai couru à m'en faire éclater le cœur et les poumons, à m'en faire éclater la cervelle. Quand tout à coup, sur un côté, j'ai vu un trou, et ainsi j'ai sauté comme un lièvre dans ce trou-là. Les géants sont passés à côté, je les entendais racler, je les entendais grogner, mais ils ne m'ont pas trouvé. Et au petit matin, je suis sorti de mon trou. Je t'ai trempé, je l'ai affamé, mais vivant. Alors j'ai marché longtemps ainsi dans la forêt. Et alors, je m'apprêtais à regagner mon chemin. J'ai vu là une caverne qui était tout enfouie sous les feuillages. Je me suis approché, il s'en dégageait une odeur pestilentielle, mélange de viande pourrie et d'excréments. Je suis entré dans cette caverne. Il y avait dans la pénombre une cage, et dans cette cage des silhouettes, prostrées, accroupies, celles d'une femme et d'une petite fille. Alors je me suis approché de cette cage, leur ai demandé qui elles étaient, ce qu'elles faisaient là. Elles m'ont dit « Nous sommes prisonnières, prisonnières de ces trois frères géants qui veulent nous dévorer. S'il vous plaît, aidez-nous. » Alors j'ai essayé de forcer la porte, mais il y a eu un vacarme de voix là qui s'approchait de la caverne. Les trois frères étaient de retour, avec les bras chargés de proies fraîches qu'ils allaient dévorer. Alors je me suis rué tout au fond de la caverne. Et là, au fond de la caverne, entre quelques tonneaux, je me suis caché. « J'ai faim, mon frère, » a dit le premier. « Va nous chercher du vin. » Alors, le plus jeune des géants est allé au fond de la caverne. J'ai eu le temps de saisir une grosse pierre. Et alors qu'il se penchait pour saisir un tonneau de vin, raf, je lui ai enfoncé le crâne avec cette pierre. Et un, et je me suis remis à ma place. Voyant son frère ne pas revenir, le second est allé voir ce qu'il faisait. Et il l'a trouvé ainsi caché sur le sol, couché sur le sol, et lui a dit « Tu ne supportes plus le vin, mon frère !» Et ainsi penché, crac ! Un deuxième géant, l'un tombant sur l'autre. Et je me suis remis à ma place. Alors, le troisième géant, le plus âgé, le plus malin, se doutant de quelque fourberie, s'est levé, il a fait tournoyer sa massue et il s'est rué au fond de la caverne. Mais il a trébuché sur le cadavre de ses deux frères et crac, s'est fracassé la tête, seul contre les parois de la caverne. Et trois. Alors je suis sorti de ma cachette. Et là, j'ai pu libérer les deux captives. Ainsi avais-je sauvé cette femme et cette petite fille. Et à ce moment-là, la princesse regarde le vieil homme et lui dit « Mais ton histoire, je la connais.
Mon père me la racontait lorsque j'étais une enfant. Oui, ô princesse Virtuose. Et cette petite fille est devenue une princesse, et aujourd'hui, ma vie est entre ses mains. C'est donc toi qui m'as sauvé, a dit la princesse au vieil Virtuose, lorsque j'étais encore enfant. Je te dois donc une vie. Aussi vais-je t'épargner. Aussi vais-je te libérer. Mais ne reviens jamais en cette contrée, car je serai peut-être beaucoup moins clémente la prochaine fois. Et ainsi fut libéré le vieil Virtuose à son tour. Il a regagné ses montagnes avec ses neveux, et encore une fois, il avait triomphé d'une épreuve, sans son épée, sans sa lance, sans son bouclier, seulement grâce à sa parole. Ainsi, le vieil homme avait terminé son histoire. Le vieux barbe qui racontait. À peine l'histoire terminée, il a senti quelqu'un ainsi tirer les pans de sa tunique. Il a dit « Qui est-ce ?» C'était un petit enfant qui dit « Hé, barbe ! Hé, pourquoi tu racontes ? Ne vois-tu pas qu'il n'y a personne qui entend ton histoire ?»« Oui, peut-être, » a dit le barbe. « Ben alors pourquoi tu racontes ? C'est stupide ! Hé, tu racontes pour rien, tu racontes pour les murs !»« Peut-être, » a dit le barbe. « Oui, je sais, autrefois, je racontais pour les autres, je racontais pour essayer de changer ce monde qui est parfois cruel. Mais, oui, mais là, il n'y a personne, alors cesse de raconter. Peut-être il n'y a personne. Autrefois, je te le dis, petit bonhomme, petit homme, autrefois, je racontais pour changer le monde, mais aujourd'hui, je raconte pour que le monde ne me change pas. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends pour quelques secondes.